Nous sommes au stand avec Hubert et Thierry. Hubert, bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce que vous proposez à votre stand? On voit des vaches un peu partout. Quelle région de la France? Quel produit? Racontez-nous un petit peu. Et particulièrement dans le Cantal. Et alors, vous proposez quoi aux visiteurs qui sont là? Du salaire tradition, car nos producteurs ne travaillent qu'avec la vache salaire. 100% lait de salaire. Du salaire à 3 ans d'apinage, du salaire à 16 mois d'apinage, Cantal 14 mois d'apinage, 5 hectares fermiers, 100% lait de salaire. Il n'y a plus que 5 fermes en Auvergne qui font ça. Fourme d'Ambert fermière avec un ferment fermier, bleu fermier et tome de montagne d'Auvergne. Et dans l'Auvergne, nous avons la salaison, Saint-Colorant, son conservateur, la rosette d'Auvergne qui est fait à Quayrol dans le 15, la sèche au vin et le jambon séché montagne, 9 fois de séchage. Alors tout vient de la vache en plus. La salaison, c'est le cochon. Hein. Le cochon, vous avez raison. Au niveau... Sinon, pour ceux qui, malheureusement, sont allergiques au lait de vache ou qui croient y devenir, parce que tout ce que l'on raconte sur le lait de vache, je l'ai cru, je fais aussi la tome de brebis des Pyrénées, pure brebis, et le chèvre brebis. Et c'est nous qui affinons, c'est affiné par nos soins, à Drujac dans le Cantal, à 12 km de Mauriac. Et qu'est-ce qui a le plus de succès ici? Tout. Et moi en particulier.